Nous venons de constater que la direction de l'hôpital régional des armées va dans le sens des instructions du chef suprême des armées, le président de la République et des ordres de notre hiérarchie. Aussi, nous voulons donc profiter de l'occasion pour présenter les félicitations et les encouragements au médecin colonel Mbongo ici présent pour le travail qu'il est en train d'accomplir ici. Et nous en profitons aussi pour lui demander de veiller tout particulièrement à l'état de propriété de ces installations et au bon usage qui sera fait de tout ce matériel. C'est de veiller à ce que nous le savons tous, que le bon accueil est déjà en soi le début du traitement au plan psychologique et moral de tout malade. Nous insistons sur ce volet et nous instruisons la direction de l'hôpital régional des armées de Pointe-Noire de faire que les fiches navettes soient mises en utilisation pour le suivi de tous les patients de la force publique. Je demande à tout le personnel de veiller tout particulièrement à ce matériel précieux et cher pour ceux qui ne connaissent pas leur utilisation, qu'ils n'aient pas honte d'apprendre. Chacun de nous est un éternel apprenant quelque part. Donc il faut toujours s'instruire et s'instruire encore pour le bien de notre force publique et pour le bien du plus grand nombre.